Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes noirs, chez notre Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info, les gestes qui nous sauvent. N'oubliez jamais, bon, les mangotés, c'est très important. Et ça pour l'intérêt. Et puis, vie Nabiso Nyonso. Faites la même chose, c'est important. Mais avant d'abandonner, question moko. Batradi praticien. Baza wapi. Nazo kabango soutien batradi praticien Nabiso. Bouke wapi. Donc, bino babika kota ase. Kota likolo, bozo kompano, ote on dirait. Pour Covid ou anape, et yango do komen ase, kuna te daga awa. Donc, bien au malade, dans la rana, c'est à dire, Okuna, Moussa Vimbisaka, Moussa Komisaka Moulaï, Moussa. Tout ça, on a des cabos, quoi. Tout ça, on a besoin de Komisa Corona, dans le Covid, on a Moukié. Mais pourquoi on a Komisa Moukié? Donc, on a tous deux ou quatre tradis. Bon, on a été, on a été, on a été, on a été. Mais, on a été, 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 hémorroïde, agrandissement, allongement. Mais, papa. Mokile dans la prose na bino a forfait français moka misi o ay chloroquine ce que ya bino za wapi tradi praticien o melaka ka o reconnaître OK golongola ngope ah ils prennent tout et en même temps et c'est compliqué ay na moi mai moko boya a wabio mai o so meliango ngane tshe na bitena la problème ka ya mon Congo passe ya bien mais la mai o sil na ah bon ce que so so ba climatisme yango pe sil sa kak. Moi, je ne sais pas si mon thème est mort, et qui est en avant. Il a dit un seul médicament, mais qui regarde 45 maladies qui vivent dans des parties différentes du corps. Mais on accepte quand même. Bah, tradi praticien, boza wapi. Kota loketo, kota loketo, quand même, ça va. Mais l'icolo, siko, où en sommes-nous? C'est les questions qu'on doit se poser. Alors là, déjà, j'aimerais dire, je voudrais revenir sur quelque chose de sérieux avec vous. Tant Botali na émission Momoni Bino Moko. Botali titre pour comprendre que le temps est assez difficile. Et je voudrais revenir sur la sensibilisation. Il y a peuple d'Abisso. Mais avant tout, Ndeko, na Sengi Bino Eloko Moko. Chaque tongo, sala effort, omela, ata ver moko, ya Congo Bololo. Ver moko ya boy. Ya Congo Bololo. Komisanto tona yo bololo et va important. Ce que vous avez dit, il y a Mbouma ya Bonobo. Mbouma ya Bonobo, et ça, Mbouma ya Moukie. Ya Moukie ma kasi bo. Mais ça, Bololo, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as kasi. Au point que tu as 6h, mais Bololo, tu as dit que tu as 18h, 19h. Et ça, Bololo, penza au sens propre. Il y a yango, et ça, important pour la santé. Na yo. Kobo sanate, mais là, ti ya Sinda, na o y a la souya Bouloukoutou. Mais là, yango. C'est important. Bah tout monsieur va voir ça le système ya kozwa mai ya mungwa atie na mai ya ningisi asali yango na mungongo atie grrr de ça wana asali yango bongo a pas boa ki mai wana. Le plus important c'est que au monongo bongo na minute pendant période oki ko kama ba grippe mike pour depuis te ki solo ya COVID-19 wana bi ki ba tout ko monongo ba symptôme ko minenge moko on dirait mungongo do kauka. Mon camarade Morolobi, Azofi Bambe Bouane, c'est pour un yoté, mon cher, ma bichou, Kauki Mabe. Mais au coup, fat. L'Igamika, Nini, ôté, mon cher, ma bichou, Kauki Kaka, bah, qui n'est qu'à l'hôpital, maman, ami, mais, à l'Iro, comme compliqué. Donc, il est temps, à Minito, il y a toujours ma précaution. Bilanda, surtout, Banamike. Banamike, bah, t'as peine exposé dans mon minguité, parce que Balobi tranche il y a 31 ans, il y a 30 ans, si, les colonnes des amants compliqués. Donc, on a bien dit, bah, Jérémy Nyonso. Bah tout nous sommes dans la journée déjà, ça rassemble. Bon, bah déjà que bon, bah côté, ton côté, mon côté, bah vulnérable. Donc, tout ce qui est là, petit Némi, bah Gaël, bah on va voir ça quand même mouqué. Bon, côté, au moins, peut quand même ça va. Mais on sait jamais. Ailleurs, déjà. Parce que, ah ouais, comme il compliqué. Et comme il compliqué. Donc, il faut déjà, Tommy, tiens, on a moutou que, ah, à l'Iro, comme il. Non, il y a mon attendu, on a d'accou. On sait l'imoué, le quoi, il est important. Garçon, on a bien, nous avons un pépé. Et c'est quand même un peu pandi. Et où est-ce que le Covid est habité? Maladie, nous sommes comme un gamboulé. Toutes les maladies que nous avons avant, et même un gamboulé, il y a Covid. Attention, quand même, tout passe. Ah, Baba qui peut s'effaler.
Oh, ça y est, on est comme on est testé pour rien. Vanda Nandaku, repose-toi un peu. Oyoki moi ba étouffement vanda mekana no goza la place moko mekana no pema parce que vous savez il y a aussi une psychose hein. Quand on a déjà parlé d'une maladie tout le monde pense avoir les mêmes symptômes et c'est la rabongo surtout loko ma beza ko ken internet ou ande loko li wande ngwana oko symptôme 2 ndeko tout ko bimisa on mo nanda yo posa na katsa ngo au moins on dirait ce que vous tout passe c'est que ça yango donc restez posé ne paniquez pas. Mais bon, bon ça là-bas, mesure wana. Somba, Sinda, Bulukutu, Congo Bololo, Mbuma Bonobo, Babilo Kamike, Miki, on a Zalan ensemble, et ça sera toujours important. Et bon, me rappelez, parce que y a bio, et bon, me rater. Romé, là, on a un effet secondaire, et on a un effet secondaire, et puis on a un effet contraire. Zara, Zara, non. Donc, c'est important pour que Zala, pour Nabissonios. Je voudrais, mesdames et messieurs, en réfléchissant, Lilo, Nabete Labino, disons pas ma solo mais nala sabino place ni biso ba congolais tozo kende na moni nanga batu ba sa ba blague na maladio mais ya peuple congolais non et comme moi compliqué je peux vous garantir certains pays ont pris ça au sérieux bazuyongo penza au sérieux c'est nous qui jouons et qui blaguons avec cela na ko répertorier ba mo ezo boma biso Eko bon mabiso, eko décimé Congo, ce qui doit continuer dans le modèle Wana, dans tous les plans. Et d'accord, pour la COVID-19, mais dans le plan Nyonso, nous avons 4. Le on a répertorié 4. Mais dans la 4, on a sous-branche Nango. Et là, quoi, les ils ali inconscience. Au moment où le peuple congolais, depuis 1960, il est là, toujours baigné, dans la 4, il y a ben, il y a insouciance. Il y a, pardon, il y a inconscience. Le peuple est inconscient. Na mona nanga ba peuple inconscient mais o ya congolais na évité ceux qui te comparer na nani. C'est un peuple qui voit tout, qui entend tout mais qui ne prend aucune décision. Et quand il faut qu'il prenne une décision, il prend toujours une décision na ndenge ya mabe. Soit d'extrémité négative, soit na katia passivité moko négative. Ndeko inconscience et produisaka insouciance. Inconscience et produisaka ignorance. Inconscience et produisaka nyoso ou aider à ma bepo na vie à moutou. Le peuple est inconscient. Le peuple ne veut pas voir la vérité en face. Le peuple veut rester dans la distraction. Et quand on essaie de faire comprendre au peuple que Aliou Bodo Keneza Malamouté, il ne comprend pas. Parce que l'inconscience est une arme contre la conscience. Lorsque quelqu'un est inconscient, même si vous lui donnez les plus belles choses du monde, Agoubou Kayango, un peuple inconscient, à tabou elie, Maï. Bon, c'est maï, il y a un maï à Koussoukoulon. Ata boelie, bon, il y a un béton, il y a un béton, il y a un balabala, à côté de béton. Le peuple inconscient est un peuple qui vend les histoires qui sont propres à lui et pour lui. Bon, il y a un bino, il y a un batol, il y a un bano na bino. Il y a un bano na bino école. Maintenant, le peuple inconscient a un bitol, il y a un teki. Il y a un câble à snell pour ne pas bongisa courant. Non, non, il y a un boutou à ibi câble. C'est l'inconscience d'un peuple. Et tout est résumé dans la mentalité à bateau. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à la COVID-19. Mais la plus grande résistance, c'est le peuple. La plus grande résistance, c'est le peuple. Le peuple est même beaucoup plus dangereux que le COVID-19. Le peuple congolais est dangereux, c'est un peuple extrêmement dangereux. Pourquoi il y en a dangereux? Parce que bah TI était, bah cotisier maïle na moutouté, bah tiki a kolaka kabongo. Jean-Jacques Rousseau a lobby, moi na kolaka na conseil. Jean-Jacques Rousseau a lobby, bah na kolaka na conseil. Thomas Mann a lobby, bah na gouvernement na biso ya lobby et ça bah na yalelo. Ça veut dire mboka ekoma lobi otoza na ngolelo mais bota la degré ya bato bata ba inconscient na modèle oyo ndeko ba bisi bino ba lobi e bo vanda na ndaku bo kende misala mais o eza important entre-temps ba lobi na bino lisusu ba bité na kati ya bus bo vanda ra mi ba na kati ya bus bo zala moins de 20 na kati ya taxi bo zala moins de 2 bo kende na babarte parce que comme ya bino problème non le peuple lui-même aboui aboui a komi ko ba raison c'est de l'inconscience. A comme on a raison. Alors je me pose la question. Oh, bah, tu es un modèle nini. Quel peuple. Quel peuple. Toi, peuple, on nous explique. Oh, il y a un peuple. Non, non.
Parce que nous avons tout le monde qui est malade, et qui est épaisse, et qui est malade, et qui est perdu, et qui est malade. Ndeko, vaccin et le quoi est bimina nous. On te demande, ce qui est le conseil, c'est Vanda Nandaku. Depuis que nous avons posé, on te rappelle le côté. On a un peu de locataire. Vipé, on a un peu. Si on l'ingit tout que nous avons un modèle, on a un peu de gaming. Vous savez, un inconscient. Et celui qui ne sait pas où, qui ne sait pas ce qu'il doit faire et il ne connaît pas les dangers, il y a Makambo Azosal. Mais on a un inconscient. Nous, on est en train de vivre ce qu'on appelle une inconscience collective. L'inconscience, elle est collective. Et les politiciens, et les hommes de Dieu, et le peuple, on est tous inconscients. Inconscients de notre réalité, inconscients de nos richesses, inconscients de notre position. Yacobet et Arojouen en Afrique, inconscients sur tous les plans. Nous sommes le peuple au Tchézemi, au Wangani, au Kimi même. Tant que moi, je suis en train de me avec qui je suis avec qui je suis. Vous voyez l'inconscience? L'inconscience, c'est un mouton à boycolat à préservatif. Avant ça, il y a un rapport sexuel. Mais quand même, on va s'attendre que quelqu'un a juste dit que le Moulazemi. Ça veut dire qu'il n'a pas honte de rester nu avant le mariage dans un petit, dans une petite maison, mais il a honte d'être enceinte alors que la grossesse ne peut pas être un motif de honte. Vous avez un degré d'inconscience, l'inconscience va dérégler les priorités. Ce qui est prioritaire ne sera plus prioritaire. Ce qui ne l'est pas va l'être à vos yeux. Il y a comme une sorte de dérèglement. Inutile, na via bateau, à faire kiboya, kenda kiboya. Les grandes questions de la République ne sont pas résolues. Bota la macabre République, bon, ben, il y a inutile, à présent, le bakiboya, le bimbo pour la nini, ndeko, le système actuel, les années nini, mboka, les autres, les nini. Non, oui, t'as libangote. L'inconscience produit des courtes réflexions, alors de toutes courtes réflexions, mike, pour vous se soulager, et puis pouf, le problème reste le même. Il y a un besoin qui est dans le Congo depuis que vous critiquez. Depuis 1960, il est là. Critique dans le Congo, il y a des bases, il y a ma solo. Mais les actions n'ont pas de père. Les critiques ont plusieurs pères. Bah, tout, bah, dans ma père, n'a pas de critiquer, on va les bêler. Mais proposer des pistes de solutions est daté. Et du coup, l'opposition est devenue une opposition. Dans le Congo, et dans l'opposition, il y a ma frustré. Il y a tout ma proposer à quel côté. Ils sont peu. Ils sont peu. Bah, tout ma proposer à quel Congo. Mais autour de Tikali, il y a des gens qui racontent leur vie, qui crient. Et comme ça satisfait les gens, bon, vous savez, quand on crie, tout le monde est content. Tout ça. Batobele Bazaga élu, Nabada élu, Namboko, pour Banda Kofinga Kabila. N'est-ce comment élu? Ceux qui ont fini Kabila à Saint-Joli, Etienne Tshisekedi, ils ont commis élu. Soit à Saint-Joli, Etienne Tshisekedi, à fini Kabila, ils ont commis élu. Et le peuple qui a élu ces gens était inconscient. Et eux-mêmes qui étaient élus sur base de l'inconscience, ce sont des inconscients. Nde ba bengaka inconscience collective. Nde yangoana. Beaucoup de gens qui ont besoin d'appareil à l'État, le col a appareil nyoso, mais où abino ils ont un dysfonctionnement terrible. Pour bateau au tchèli kolo, kuna baza ba inconscient, baza na molongote, na lingala to bengango molongo, ba ina molongote, ba ina bongote. Bateau wana ba li na mo, le col est tout le coup na moutou na bango, ina bosusu. Batona bakusa eloko mokote. Po na kati ya mutu na bango baine eloko te. Na kati ya mutu na bango be bimbongolo na mabango ya makasi na bimoro. Mutu yali pena eloko te na mutu na sika bakulu. Me bato modelo na bali boye bele na mboka. Bato ba jangi boanya bo. Bali bele. Yango komona soki mutu moko aipe maele te kwa bango. Alobi bango na basepeli bangbanyi babeti maboko. Mpo bakutani lolengo na bango. Basali isanga ya babo susu ya bilema. Bako tambola kaya bango meloko mipuka mikufu. Bako tambola kaya sika moko. Po batu ya modelo wana baina molongo te. Memboka wa yuko bunga na batu ya modelo wana te. Bondi mangai entanjambi. Mboko yu yuko bunga na batu ya modelo wana te. Mboka yuko bunga na batu baliko banza. Batu baliko kanisa. Batu baliko tika mwa bisweso na bango. Batiki yango puba kanisa. Ningani tokotonga mboka. Mboka bongo tolingi bango te. Deuxième chose qui va décimer ce pays, qui va nous détruire si nous ne faisons pas attention. Mais avant, vous savez, le remède de l'inconscience, c'est la conscience. Il faut une prise de conscience collective pour bannir l'inconscience collective.
Il y a deux adages français. Ben, ceux qui sont aujourd'hui ne les comprendront peut-être pas. C'est des proverbes français. Il y a un proverbe de 1885, de 1855, et un autre proverbe de 1892. Voici ce que ces proverbes disent. L'insouciance est pire que l'ignorance. Je vais expliquer. L'intelligence est un bijou et l'ignorance est un caillou. Mayele Ali Wolo. Mpebo Soussou et Ali Banga. Mpebo Soussou. Les choses qui vont nous détruire, c'est l'inconscience collective. La deuxième chose, la plus dangereuse, qui a élu domicile dans la tête des Congolais, c'est l'insouciance. Ah oui, l'insouciance. Aussi l'insouciance générale. Nous sommes un peuple insouciant. Et quand on a atteint le degré de l'insouciance, ça veut dire, comme le disait un Français, il s'appelle comment encore? Ça va venir, le nom viendra. Il est l'auteur d'un livre que moi j'ai toujours aimé. Et quand je dirais peut-être le nom de son livre, le nom est Goya. Il s'appelle Essel, voilà, le nom arrive, Essel. Essel dit ceci. Il écrit un livre, Indignez-vous. Indignez-vous. Ensuite, engagez-vous. Mais vous ne pouvez pas vous indigner si vous êtes insouciant. Non. Vous ne pouvez pas vous indigner si vous êtes insouciant. Mais le peuple est insouciant. Le peuple est complaisant. Le peuple comprend que oh, Adam est déjà bien. Vous avez un peuple qui a un peu de vivre dans le cas où il y a un zangi. Mais vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Mais bon, la solution va longa, bon, aujourd'hui, le monde ne va plus donner la possibilité pour ça, la coup d'État. Coup d'État, comme moi, difficile, les lots. Aujourd'hui, les plus grandes batailles vont se résoudre dans ma idée. Aujourd'hui, la bataille, Yabamaka, c'est Sili, Gustave Le Bon, dans son livre Hier et Demain. Il pense que le plus grand combat est dans le combat d'idées. Les divergences intellectuelles se supportent. Et la raison la plus forte l'emporte. Mais les divergences sentimentales ne se supportent pas, ça se solde dans la bagarre. Nous pensons, mesdames et messieurs, que les lots, eux, vont faire gagner Bissou Bitumba, Oyo, et Zali Bitumba, Yamoto. Quand la moto, non, Balami, soit avant que ça, la Likambo. Du petit, du plus petit Congolais au plus grand citoyen, du petit Congolais au président de la République, tant qu'on sera insouciant, le Congo ne se développera jamais. Parce que l'insouciance, c'est l'imprévoyance. L'insouciance, c'est la négligence. L'insouciance, c'est la légèreté. L'insouciance, c'est l'irréflexion. L'insouciance, c'est le fait de ne pas préparer les choses, de ne pas anticiper les choses. Le Congo souffre parce que les gens sont insouciants. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne sont pas prévoyants. Les gens ne savent pas faire comme ce qu'on planifier. Et les gens ne savent ni planifier, ni faire le suivi de leurs plans. Le président prend des précautions, prend des mesures, mettez-la sur terrain. Sur terrain, bazo respecter un côté. Mais je ne sais pas comment les gens disent, non, moni, président, non, mais attendez deux secondes, il faut qu'on comprenne. Quelqu'un peut prendre des décisions, et il vous laisse faire maintenant. Mais on demande à celui qui prend des décisions de faire un suivi. Mais vous allez faire le suivi avec qui? Mais avec les mêmes personnes. Je vous dis que le problème du Congo est la mentalité d'Abisso. On est dans une mentalité comme ça. Tous les Congolais, de façon générale, pas de façon générale, on va dire ça comme ça, mais il y a des cas particuliers. C'est maintenant la capacité d'un leader. C'est là que nous demandons au président de procéder au recrutement de meilleurs, pas au recrutement de faceurs, pas au recrutement des aventuriers, pas au recrutement de bateaux dans la chance loco pamba, mais des recrutements et bateaux bayebi, bateaux dans désintéressés dans Makambouana. De capacité à leader yangwana aluki bato bazana bwanya bato bazana mayele bato bazana désintéressé na chose azu bango pour balande la bato mususu babungi nzela bato babungi nzela bazonga kaka na bato bazana nzela. Les gens qui sont perdus ne peuvent pas être regardés par les mêmes perdus. C'est ce qui s'est passé avec la première année de Félix Tshisekedi. Bato bazala qui autour de lui, c'était des gens perdus aussi comme bato bazala qui avant. Voilà pourquoi quand ils sont venus au pouvoir, eux aussi ont voulu manger, eux aussi ont voulu s'enrichir. Ndeko, tokolo ba yo ndo to lingi, mais la biso congolais, tout ça comme ça.
La plus grande corruption et la plus petite, ça n'existe pas. La maman qui va corrompre pour la mouananaye, elle est insouciante. Elle est inconsciente. Maman, ou est-ce que vous avez un professeur, albi, mouananaza moukolo, déjà, le qui a le koubishimboula moukoumboula moukolo, le qui s'est dans la classe. Aza inconsciente et puis aza insouciante. Tant que vous avez un balabala, ou bengi cousin, ou bengi frère, pour la sauter douane, to bengi pour la sauter autorité, moko akangio pour bouki mibeko, c'est de l'insouciance et de l'inconscience. Ça se fait à tous les niveaux. Mais le Kola congolais est irresponsable, c'est le troisième mot, l'irresponsabilité. Comme le Congolais est irresponsable de nature, il aime se disculper et voir le problème chez l'autre, des Congolais et Yohana. On va placer ton outil. Ça veut dire que ton outil est inconscience, ton outil est insouciance, ton combien est irresponsabilité. Le Congolais est irresponsable. Tout est bien quand c'est lui qui le fait. Tout est mal quand c'est l'autre qui le fait. L'irresponsabilité peut produire la jalousie, peut produire la haine, peut produire la fatuité, la vilenie et le chaos à la fin. Les gens sont irresponsables. Tout ce qu'eux font, ils ont bien. Mais au baninga basala kandezamabe. Le Congolais, il est irresponsable. Il veut que le changement commence partout, mais pas chez lui d'abord. C'est ça l'irresponsabilité des Congolais. Et au moins l'irresponsabilité, on a dans l'État congolais, pesanango. L'État congolais est irresponsable. Non, pas ça, bino a fait. La police a l'obligé de mettre tout comme nyoso, et de la mettre tout comme ordonné. Moutou kaza naba far, et de naba tout ça. Mais yé moko fourrier na yé. Moutou kaza la police yé moko anafarte. Moutou kaza la police yé moko e beba. Moutou kaza la police yé moko ba mango deux ou trois personnes. Moutou kaza la police carburateur nango na libanda. Alors je me pose la question, beaucoup plus exemple n'engeni, parce que l'exemplarité doit d'abord être et pas observer na bato baza ko faire observer mibeko. Vous savez na Dubaï par exemple, le policier est bien habillé. Il est bien habillé, il est propre, il est posé, il est poli, il est calme. Sa voiture elle est plus belle. Si vous faites pas attention, elle est plus belle que la vôtre. Ça veut dire quand il t'arrête, il te dit monsieur, on en a farté. Tu ne peux pas lui reprocher lui qui en a farté parce que lui il s'arrange à être bien. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Policier Yemoko, il est en état vraiment, il y a Mabé, il est ivre, il sent de l'alcool, mais il t'arrête. Alors il te demande, tu as mis au bouquin, au Tamboli Mabé. Et je lui pose la question, monsieur, comment est-ce que Tamboli Mabé? Parce que au Langoué. Déjà, il me connaît avec au Langoué. Na Tamboli Mabé, n'ingénine. Voyez-vous un peu le problème? C'est ça l'irresponsabilité de notre État. Il veut faire respecter la loi qu'elle-même ne respecte pas. L'État veut faire respecter la loi que lui-même ne respecte pas. Or, l'exemplarité doit commencer au sommet de la République. C'est là qu'on voit la responsabilité, l'exemplarité. Quand on ne l'a pas là-bas, ça ne marche pas. Lorsque 15 millions de dollars se perdent dans le bureau du président de la République et que les personnes censées être entendues ne le sont pas, alors n'attendez pas que les autres, le plus petit, les fassent. Ils ne le feront pas. Parce qu'il y a un problème au niveau du sommet. Lorsque un niveau est à sommet, autour du président, on apprend que Batou Baza qu'on s'enrichit, Batou Baza boule. Mais le président ne demande pas une enquête. Nakata cabinet na emoko, alors il y a de quoi s'inquiéter. On se dit, mais oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est en train de vivre ce qu'on appelle un dualisme téméraire, mais surtout destructeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président fait tout pour se conformer à la loi, mais son entourage fait tout pour ne pas se conformer à la loi. Alors, la responsabilité, elle est vraie, elle est individuelle, mais la responsabilité peut être aussi au niveau du président de la République, que l'on va traiter des laxistes, que l'on va traiter de faire un laisser-aller. Mais et puis, quand c'est plusieurs cas comme ça, on dit plus c'est du laisser-aller, on peut aller pour dire, ah, président P, a commis complice de Makambouana. Tout ça pourquoi? Pas parce qu'il a été impliqué, mais parce qu'il a vu et il n'a pas sanctionné. C'est tout. C'est tout. Si Kabila a porté tous les problèmes du Congo, c'est parce que M. Kabila avait un problème. Le régime de Kabila s'appelait impunité. Alors il ne faudrait pas qu'on retrouve l'impunité dans le chef des gens qui veulent instaurer un état de droit. Parce qu'un état de droit, c'est un état ennemi de l'impunité. Un état de droit, c'est un état où la loi est supérieure à tout le monde, où la règle fait la loi. C'est ça qu'on veut que ça arrive dans ce pays. Mais les Congolais est irresponsable. Excusez-moi, les Congolais est irresponsable. Le Congolais ne veut pas comprendre que le temps, il y a qu'on s'est responsabilisé et commis. Parce que c'est quoi l'irresponsabilité? C'est le fait de croire qu'on est souverain mais on n'est pas responsable. Alors que la souveraineté est toujours liée à la responsabilité. Vous voulez être souverain? Ok, soyez responsable.
Vous voulez être souverain? Ok, soyez autonome. Vous voulez être, pardon, autonome? Soyez souverain. Occupez-vous de vous-même. Remettez-vous en cause de temps en temps. Apprenez à accepter vos erreurs pour avancer. Nous, on est des irresponsables. Tout le monde est mauvais, sauf moi. C'est un peu comme Georges Clemenceau le disait. J'ai remplacé les imbéciles, je serai succédé par des idiots. Ça ne marche pas comme ça. Et ça, nous devons travailler ça. Il faut travailler. Le remède de l'inconscience, je le dis, c'est la conscience, la prise de conscience. Le remède de l'insouciance, c'est l'indignation. Le remède de l'irresponsabilité, c'est les actions. Nous devons agir. Agir en disant que si nous sommes mauvais, changeons notre manière de faire les choses. C'est tout simplement ça. Il y a comme Winston Churchill, par exemple. Winston Churchill dit ceci. Il est meilleur d'être irresponsable dans le vrai que responsable dans l'erreur. Il dit encore, non, c'est pas lui, c'est plutôt Raymond Barr en 1981. Il disait quelque chose de fondamental que je retiens et que je garde toujours. Il disait, vaut mieux être impopulaire qu'être responsable. Voilà pourquoi je conseille au président de la République. Je l'avais dit déjà il y a longtemps. Monsieur le président, si le peuple continue à t'applaudir dans l'état où tu es, c'est que vous êtes en train de faire un mauvais travail. Pour qu'on puisse comprendre que vous faites un bon travail, il faut que le peuple commence à se plaindre. Parce que vous aurez imposé la discipline. Le Congo a besoin de la discipline. Le Congo a besoin de former des citoyens responsables. Des gens qui vont devoir s'assumer devant l'histoire de ce monde. Et vous, monsieur le président, en tant que président, vous devez vous assumer. Vous devez être prêt. Il serait important, monsieur le président, que vous soyez prêt à sacrifier vos propres membres de famille, vos propres membres de partis politiques et un bon nombre de citoyens, s'il faut. Il faut être prêt à sacrifier ces gens-là aux besoins de la renaissance du pays. Le pays est mort. La moralité publique est morte. On est en train de nous ne sommes pas en train de vivre, on est en train de peut-être de vivoter. L'immoralité a atteint son comble. Je vous dis, on ne peut pas être plus immoraux que les Congolais. On ne peut pas être plus immoraux que nous. On ne peut pas être plus naïf que nous. Alors il est temps maintenant. Le plus grand remède, c'est des grandes décisions. Votre père, monsieur le président de la République, votre père, le feu Étienne Tshisekedi, ami très proche de Mobutu, son copain, il participait même à des choses dans votre famille. On dit même qu'il serait votre parrain. Le maréchal Mobutu, dans la dictature la plus extrême de l'Afrique. Mais Étienne Tshisekedi a pu et su dire non à celui qu'il avait nommé. Étienne Tshisekedi a dit non à celui qu'il avait nommé. Alors, qu'est-ce que nous allons dire de vous qui avez été élu par le peuple? Ce que les gens attendent de vous, je ne compare pas les contextes. Je sais que c'est deux contextes différents. Mais seulement la prise de décision, elle n'est pas une question de temps. La prise de décision, c'est le courage et la volonté politique que l'on a déjà. Et vous êtes sur un bon chemin. On vous demande simplement d'aller jusqu'au bout de vos actions. Faites un casting important autour de vous. Nettoyez votre entourage. Sauvez ce pays. Le pays a une mentalité morte. Et vous ne pouvez pas réussir si vous ne changez pas la mentalité des gens. Vous avez vu la résistance que vous avez rencontrée? Parce que les gens sont comme ça. Alors que ces gens-là, ce n'est pas la fin. Vous pouvez changer la mentalité des gens si rapidement que ça. Ça ne vous prendra pas 10 ans. Parce que deux choses sont importantes pour que la mentalité change. La sanction et l'éducation. Machiavel parle de la sanction d'abord. Il parle de la méthode des animaux. Un président, ça doit être comme un lion qui sait rougir. Et un président, ça doit être comme un renard qui sait déjouer le plan autour de lui. Utilisez, monsieur le président, la ruse et la frappe. Les désordres qui se passent à l'UDPS aujourd'hui, monsieur le président, utilisez les deux facettes. Le renard pour déjouer tout le plan, pour le maîtriser tous. Et les lions pour disperser les gens autour de vous. Donc l'irresponsabilité va nous tuer. Et à la fin, pour terminer,
c'est l'ignorance. Ah oui. La Bible ne dit-elle pas que mon peuple périt faute de l'ignorance? La Bible ne le dit pas. La Bible sait. Dieu dit que mon peuple périt, pas parce que Kabila a gouverné 18 ans. Mon peuple périt, pas parce que les Belges nous ont colonisés. Mon peuple périt, pas parce que Félix Tshisekedi a été, il est président de la République. Mon peuple périt, pas parce que Fayou nous fait l'opposition. Mon peuple périt, pas parce que la fin est là. Mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Donc l'ignorance, nous devons la chasser. Et on chasse l'ignorance par la connaissance. Mesdames et messieurs, tant qu'on restera ignorant, tant qu'on restera inconscient, tant qu'on restera insouciant, tant qu'on restera irresponsable, le pays ne va jamais décoller. Le pays ne va décoller que quand les gens seront conscients, quand les gens deviendront des personnes conscientes et souciantes, quand les personnes deviendront responsables et quand les gens apprendront la connaissance, quand les gens vont aller chercher la connaissance. Tangu toko lukaboyebi. Tangu bakotia molongo na mabanzo na biso. Tangu bakotia limemia na kati ya molongo na biso. Bondi mangai ki mboka oyo ekobota miel, mas mafuta nzoi ekobota pena miliki. Mais le miel et le lait ne couleront pas dans l'inconscience, dans l'insouciance, dans l'irresponsabilité et aussi dans l'ignorance. Le président de la République a la mission de changer l'homme congolais. Ça sera ce qui va le différencier de Kabila. Kabila dit qu'il avait échoué dans sa lutte de changer l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis, il a reconnu qu'il a échoué dans sa lutte de transformer l'homme. Donc le président Fatshi doit commencer par là. Changer d'abord l'homme. Mais quand le président veut changer l'homme, il faut le changement des mentalités. Azu yango apesi yango na batu. Bato bazu yango, basali ba bande, basali ba affiche, ya minene. Oh my kambo monene. Basali ba affiche ya monene, oh le président, je n'ai jamais été nommé, mais c'est quoi cette histoire? Tala bato mutu na bango za côté kuna. Que la RDC gagne. Peuple congolais, restez chez vous. Si vous n'avez rien à faire dehors. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à voir dehors. Et la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Guinée aux sangs, ils ont pris droit, Daïmada, Chino, Tweneneye, Nakinia, Panapiko.